Bienvenue à Espace Yoga, une série complètement axée sur la pratique du yoga. Aujourd'hui, salutations au soleil de style Hatha Yoga, donc enchaînement classique dans le yoga. Le Hatha Yoga est un style très traditionnel, tout en douceur, mais aussi tout en mouvement. Je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Je suggère d'avoir couverture à la maison, donc simplement pour être plus confortable, oui, mais aussi pour aller chercher en posture assise une colonne vertébrale un peu plus longue. Aussi, deux blocs. Si vous n'en avez pas, aucun problème, la séance se fait sans accessoires. N'hésitez pas à modifier ou adapter les postures selon votre condition physique. Donc, je vous invite soit à être assise ou complètement couchée au sol, sur le dos. Choisis la posture qui est confortable. On peut fermer les yeux. Ramener le regard à l'intérieur de soi, connecté à notre corps physique. Notre respiration, mais aussi tout notre côté mental, donc notre corps mental, notre état d'esprit, nos émotions. On prend une grande inspire et expire. À nouveau, inspire par le nez. Gonfle les poumons. Expire. Détends les épaules. Ajuste la posture au besoin. On trouve le rythme de ta respiration. De plus en plus lente, de plus en plus profonde. Prends le temps d'être immobile en début de pratique. Juste pour venir observer notre corps, ce qu'on ressent. Permettre à notre tête d'être dans le moment présent. Je t'invite à formuler ton intention pour ta pratique. Donc, pour quelle raison es-tu installé sur ton tapis de yoga? L'intention peut être autant sur l'aspect physique, l'aspect psychologique. Prends une dernière grande inspire en pleine conscience. Et expire. Relâche. Doucement, tu pourras ouvrir les yeux. Et retrouver posture de la table pour débuter la séance. Option d'avoir couverture sous les genoux ou les poignets pour plus de confort. On veut écarter les doigts, avoir le maximum d'ancrage au sol. Poignets alignés avec les épaules, genoux alignés avec les hanches. Rentre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Avoir un dos neutre. Et à la prochaine, inspire. Viens creuser le bas du dos. Fessier se soulève. Omoplate se rapproche. Et soulève légèrement le regard. Expire. Fessier vers le sol.
Le dos s'arrondit du bord de la colonne jusqu'au sommet de la tête qui se relâche vers le sol. Inspire, dos creux. Et expire dans un dos rond. Vas-y quelques fois à ton rythme. En jumelant mouvement et respiration. Et à la prochaine, inspire. Pour retrouver un dos neutre. Amène les genoux, largeur du tapis environ. Descends fessiers vers les talons. Les gros orteils se collent. Avance les mains vers l'avant. Toujours option de déposer front au sol. De venir à poser un bloc. Déposer le front. Prends de grandes respirations. Laisse les épaules s'ouvrir. Les hanches s'ouvrir également. Le dos s'allonge. Donc, une dernière grande respiration dans la posture de l'enfant. Doucement, pousse les mains dans le sol pour retrouver une posture assise. Prends le temps de retirer l'accessoire et on va se retrouver debout, pied largeur des hanches. Prends le temps de dégourdir au besoin ton corps. Mains de chaque côté. À l'inspire, soulève les mains vers le ciel, on allonge. Peut-être que le regard reste droit devant, peut-être que le regard suit les mains. Expire, ramène les bras à côté du corps, mains vers le sol. Inspire, on allonge vers le ciel. Expire, redescend. Inspire. Expire. Encore deux autres fois. Inspire. Expire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Cette fois-ci, inspire. Soulève les mains vers le ciel. Viens joindre la paume des mains ensemble. Et flexion latérale vers la gauche. Donc, on garde bien aligné le bras avec l'oreille droite, mais ouvrir l'épaule vers l'arrière. Et reviens centré. Inspire ici. Expire, flexion vers la droite. Donc, on veut sentir tout l'étirement au niveau des côtes. Reviens centré et redépose. Inspire à nouveau, soulève les mains. Flexion vers la gauche. Reviens centré, inspire. Expire vers la droite. Et reviens centré. Redépose. Ajuste. Ton corps au besoin, retrouve l'avant de ton tapis et on va enchaîner quelques mouvements dans la salutation au soleil. Donc, inspire, on allonge les mains vers le ciel. Expire, flexion des hanches vers l'avant. N'hésite pas à fléchir les genoux au besoin. Relâche le haut du corps.
Recule, pied gauche vers l'arrière. Dépose genou au sol. N'hésite pas à utiliser couverture sous le genou à l'arrière. Puis à utiliser les blocs. Avoir plus d'espace au niveau des hanches. Avoir un dos qui est long. Laisse les hanches descendre. Une posture de fente basse. Inspire ici. Expire, deux mains au sol. Retire les blocs. Roule les orteils du pied arrière dans le tapis pour soulever le genou. Et recule. Deux pieds à l'arrière, planche ou demi-planche. On peut toujours déposer genou au sol. Creuse le bas du dos. Les fessiers se soulèvent. Amène poitrine entre les mains. Garde les coudes près du corps. Pas sûr des 8 points d'ancrage. Inspire. Haut du corps se dépose vers l'avant. Roule les épaules vers l'arrière. Cobra. Expire. Pousse les mains dans le sol. Passe par la table ou la planche. Et soulève les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. On peut fléchir en alternance les genoux. Venir dégourdir les hanches. Amène pied droit entre les mains. Dépose genou gauche au sol. Option d'utiliser les blocs au besoin. Aligne toujours genou au-dessus de la cheville. Et deux mains au sol. Soulève le genou à l'arrière. Grand pas, deux pieds à l'avant. Posture de la pince. Inspire. Pousse les pieds dans le sol. Soulève. Main vers le ciel. Et expire. Main au cœur. À nouveau. On enchaîne. Inspire. On allonge les mains vers le ciel. Expire. Flexion vers l'avant. Posture de la pince. Fléchis les genoux. On veut venir déposer le bas du ventre vers les cuisses. Mains au sol. Retrouve le pied droit à l'arrière. Dépose genou au sol. Inspire, prends le temps d'aligner genou au-dessus de la cheville. Mains au sol ou sur les blocs. On veut un dos qui est long. Donc un dos qui n'est pas courbé. Deux mains au sol. Retrouve planche. Deux jambes à l'arrière. Dépose genou au sol. Creuse le bas du dos. Descends le haut du corps. Inspire, on allonge. Viens ouvrir le cœur. Cobra. Détends les épaules. Expire. Passe par la planche et chien tête en bas. Donc, on veut les bras longs. Un dos qui est allongé aussi. Fessiers qui pointent vers le ciel. Inspire et expire. Amen. Pied gauche vers l'avant. Dépose ton genou à l'arrière. Inspire ici. Expire. Main au sol. Deux pieds à l'avant. Posture de la pince, on relâche.
Inspire, soulève le haut du corps. Main au ciel. Expire. Main au cœur. Une autre fois de chaque côté. Allonge, main vers le ciel. Expire, pince. Recule, pied gauche. Dépose, genou au sol. Expire, deux mains au sol. Retrouve une planche. Dépose genou. Descende vers la terre. Garde les coudes près du corps. Inspire, on allonge. Cobra. Et expire, chien tête en bas. Viens porter la poitrine vers les cuisses. Fléchis les genoux au besoin. Inspire, pied droit à l'avant. Dépose genou à l'arrière. Inspire. Expire, posture de la pince. Deux pieds devant. Inspire à nouveau, soulève les mains. Expire, main au cœur. Dernière fois du côté gauche. Inspire. On allonge les mains vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Recule pied droit à l'arrière. Dépose genou au sol. Deux mains au sol, retrouve une planche. On pousse dans les mains. On active la sangle abdominale. Dépose genou. Descende vers le sol. Inspire. On ouvre le cœur. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Amène pied gauche entre les mains. Inspire ici. Fente basse. Expire, deux mains au sol, ramène les deux pieds à l'avant, posture de la pince, relâche le haut du corps, fléchis les genoux, remonte, main vers le ciel, et expire, main au cœur. Prends le temps de fermer les yeux, prendre une grande respiration ici, simplement pour venir connecter différentes sensations, observer comment ton corps réagit aux enchaînements de la salutation au soleil. Et doucement, retrouve posture au sol. Viens t'asseoir. Amène les jambes vers l'avant. Garde les jambes fléchies. Allonge le dos. Prends simplement une respiration ici. Et déroule au sol, vertèbre par vertèbre. Besoin, ramène genou vers poitrine, venir bercer doucement de gauche à droite. Je t'invite à fermer les yeux, connecter au mouvement, laisser ton corps se détendre de plus en plus. Dépose les deux pieds au sol. Et laisse-les tomber vers la gauche. Donc,
en gardant les deux épaules au sol. On laisse les genoux se déposer. On peut soit rouler la couverture, au besoin, venir appuyer la jambe extérieure. On peut utiliser les blocs. Option de tourner la tête vers la droite, si la nuque le permet. Si tu ressens des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, garde simplement la tête centrée. Gonfle le bas du ventre lors de l'inspire. Puis à l'expire, détends tout ton corps dans la torsion. Prends quelques respirations ici. Inspire, si tu as la tête tournée vers la droite, seulement la ramener centrée, regard vers le ciel. Et on peut s'aider avec l'aide des mains pour ramener les genoux vers le ciel. Prends le temps de réaligner ton corps au besoin et laisser tomber les genoux vers la droite. Une torsion vers la droite. Soit appuyer la jambe au sol ou sur un accessoire. Et toujours, si la nuque le permet, on peut tourner la tête vers la gauche. Peut-être que la sensation est différente de ce côté-ci. Profondément. Quelques respirations encore. Laisse les jambes se détendre. Et à l'inspire, à nouveau, ramène genoux vers le ciel. Toujours option de ramener genoux vers poitrine, venir percer un peu. Garde la nuque longue, donc menton légèrement vers la gorge. Redépose. Deux pieds au sol, puis allonge. Dans Shavasana, posture finale. Donc, n'hésite pas à ouvrir les pieds largeur du tapis. Tu peux toujours rouler couverture sous les jambes au besoin ou derrière la tête pour plus de confort. Garde les bras bien ouverts de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Et détends chaque partie de ton corps qui a travaillé durant la salutation au soleil. Du bout des orteils jusqu'à la couronne de la tête. Sentir une vague de détente.
posture finale que tu pourras maintenir aussi longtemps que tu en jugeras nécessaire. Aussi longtemps que tu auras envie de profiter de cette détente, de ce calme. TV. Ensemble pour notre communauté.